tout de suite après l'élection, lorsqu'il y avait cette hésitation, et quand il a pris la première fois la parole, il s'est tout de suite présidentialisé parce qu'il a pris, il a pris de la hauteur. Alors on peut aimer, on peut ne pas aimer, on pouvait voter ou pas voter pour Biden, mais dès le départ, il a pris cette posture. Et c'est, n'oublions jamais qu'il a quand même été pendant 8 ans vice-président, très proche d'Obama, qu'il a passé quasiment 40 ans au Congrès. C'est un homme politique, connaît la boutique comme personne. Connaît la boutique et le terrain. Et il sait comment pense, comment vit, comment souffle l'Amérique, qu'elle soit sur la côte Est, qu'elle soit dans les campagnes. Et donc, il a cette empathie naturelle, cette posture qui répond aux besoins du moment. Cela ne veut pas dire qu'il va parvenir à convaincre jusqu'à la droite des Républicains, mais au moins les centristes qu'il a besoin d'apaiser, au moins ça, il sait faire et il le fait très bien. Je suis frappé.